vous allez bien. Moi, ça va. Ouais, t'as dû voir le moteur là, par là, il doit être. Là, je t'explique cette vidéo du coup. Cet après-midi, je referai une vidéo en fait. Je te montrerai une petite astuce pour mettre tes goujons quand t'as pas de frein filet. Ça marche, on faisait ça à l'ancienne. Voilà, donc là, je discutais avec mon membre fidèle, hein, mon membre exclusif, celui qui a pris l'abonnement à 2,99 pour accéder, pardon, au groupe d'aide mécanique, t'as vu? Parce qu'on discute assez souvent le soir, entre autres. Du coup, je vais faire un petit jeu, tu vois? Je vais appeler ça cadeau assiduité abonné. C'est pour voir exactement, bah déjà remercier ceux qui me suivent depuis longtemps, tu vois, parce que j'ai commencé ça en 2017, tu vois, en restaurant la première TZR, tu vois, en montrant des petits trucs, tu vois. Après, j'aide pas mal de gens sur Facebook, tu vois, à régler leur machine, etc. Tu vois, exemple, Laetitia, elle a une TZR phase 2, elle a un gicleur principal de 120, la machine est juste débridée, tu vois, donc c'est pas normal, donc je suspectais une prise d'air, tu vois. Du coup, quand tu as une prise d'air, tu enrichis, c'est pour pallier ben, l'air qui arrive en plus. Là. Et en fait, la cause, c'était le manchon de la boîte à air qui avait été enlevé par l'ancien propriétaire, tu vois, parce qu'il pensait que c'était une bride. Donc du coup, il y avait deux fois plus d'air ben, qui rentrait dans la boîte, tu vois, d'air. Du coup, ben, forcément, il fallait grossir les GP. Tu vois. Elle a remis le manchon. Oh, ben, la machine, elle marche nickel. Parce que ce soit, sur les phases 1 ou... les phases 2, la caméra, je crois qu'elle est un peu dégueu. Voilà, on y voit mieux. Que ce soit les phases 1 ou les phases 2, les boîtes à air, en fait, c'est exactement les mêmes boîtes à air que les 80, tu vois, les TZR 80 d'origine. Donc le manchon, tu sais, il faut le laisser. En fait. Voilà. Ça s'appelle un réducteur d'air, pas si tu veux, je t'explique après la vidéo. Parce qu'en fait, l'air qui arrive de l'extérieur, tu vois, a un plus gros volume. Donc il faut le réduire. Pour que la bonne quantité d'air rentre dans la boîte à air. C'est pour ça qu'on appelle ça un réducteur d'air. Alors, la vidéo, ça va s'appeler. Oui, bah, je lis en même temps. Tu vois, ce Laurie me donne des petites explications. En fait, parce que moi, je suis un grand enfant. S'il faut, j'arrose tout le monde. Tu vois, mais bon, il ne faut pas, elle m'a dit. Donc, je vais appeler ça cadeau assiduité abonné. J'ai du mal à le dire. Moi, au début, je voulais appeler ça cadeau récompense, mais elle m'a dit non, c'est pas bien. Je fais pas de pile. Donc, du coup, ça va se passer comme ça. Sur cette vidéo, d'accord? Si tu réponds sur l'autre, c'est mort. Donc, sur cette vidéo, faudra que tu me mettes ton pseudo abonné de la chaîne. Comme ça, moi, avec ton pseudo, tu vois, je vais vérifier que tu es bien abonné. Tu parce qu'il y a des petits filous, hein, je les connais maintenant. Donc ton pseudo abonné de la chaîne. Ensuite tu mets je participe, tu vois. Il faut que je regarde là où je suis toujours pas habitué. Ensuite tu mets une question en rapport avec la vidéo, celle-là, tu vois, celle que tu veux, la question que tu veux, tu vois, mais en rapport avec cette vidéo, c'est très important. Et un petit commentaire. Pareil sur cette vidéo, tu vois. Les membres exclusifs, vous avez le droit de jouer. Bon, il y en a qu'un de toute façon, donc voilà. C'est pas compliqué. Et ouais, ça sera des outils en fait à gagner. J'en dis pas plus. Donc je récapitule. Faut que tu mettes en premier ton pseudo abonné. Ton pseudo abonné, non. Si oui, ton pseudo de la chaîne en fait. Comme quoi tu es bien abonné à la chaîne. Un commentaire, tu vois. Une question en rapport avec cette vidéo-là, tu vois. Et puis c'est tout. Je participe. Ah oui, et je participe. Qu'est-ce qu'elle m'a mis? Attends, parce que t'es jolie en même temps, une écriture de docteur aussi, elle aussi. Donc je récapitule, pour être sûr. Pseudo abonné de la chaîne. Que tu mets sur cette vidéo, hein, c'est très important, mets-le bien sur cette vidéo. Si tu le mets sur les autres vidéos, tu ne pourras pas participer. Hein, je te le dis à l'avance. Donc ton pseudo de la chaîne. Pourquoi t'es bien abonné à la chaîne, t'as vu? Sinon, voilà, c'est pas drôle. En dessous, tu mets je participe. Pour participer, pour me dire, t'es, moi je veux bien participer à ton petit truc pour gagner les petits cadeaux, ça me fait plaisir. Pas de soucis. Un commentaire, ce que tu veux. Hein, tu sais, voilà.
Et une question, mais en rapport avec cette vidéo. Et bon, les membres exclusifs, en fait, c'est parce que tu veux, j'ai un bouton rejoindre, tu vois, sur la chaîne. Pardon. Et qui a 2,99 mensuel, je le répète à chaque fois parce qu'elle m'a dit qu'il faut le rabâcher parce que les gens ne comprennent pas. Donc je rabâche. Et du coup, cet abonnement, si tu veux, il te donne accès à des vidéos que seul toi verras, tu vois. Les autres abonnés de la chaîne ne les verront pas. Et il te donne accès au groupe d'aide mécanique. C'est-à-dire, là par exemple, toi tu vois cette vidéo, tu as un problème sur ta moto, que t'as fait 25 000 forums, t'as eu 42 réponses différentes, ça marche toujours pas, tu vois. Là, tu prends le bouton, tu prends le bouton, t'appuies sur le bouton rejoindre, tu vois. L'abonnement mensuel, il fait 2,99 €. Donc moi, je vais le voir, tu vois, sur YouTube Studio, je vais faire, oh bah t'as, il y a un nouveau membre. Donc là, je te contacte. Ensuite, tu viens sur Facebook à Yannick Camiette, tu vois, et je te fais rentrer dans le groupe d'aide mécanique. Il y a toujours quelqu'un, 24 heures sur 24. Jérôme Bro. Le membre exclusif qu'il a pris d'ailleurs, le premier qu'il a pris. Voilà. Le plus souvent, moi et lui, on y est, mais tu sais, 24 heures sur 24. Le chat va me faire péter les plombs. Bref. Donc ça donne droit. Enfin, ça donne droit. Tu as droit à des vidéos que seul toi verras. Tu auras accès au groupe d'aide mécanique 24 heures sur 24. Je réponds forcément en priorité à tes commentaires. Et des fois, je te fais des petits clins d'œil, comme Jérôme Bro, je répète, ouais. Lui c'est un membre exclusif, il a pris l'abonnement, tu vois, à 2,90 €. Faut que je regarde là-haut. Je me foutrais une étiquette pour penser à là-haut. Du coup, ouais, j'ai parlé de ça à Team Vintage Mécanique, pour ceux qui connaissent, parce qu'on discute souvent. D'accord, merci, allez voir sa chaîne, si c'est fait des bonnes choses, Tamla. Parce que moi j'ai trouvé un choc, tu vois, enfin deux, du coup. Un en Espagne pour des pièces, tu vois, des pièces moteurs, etc. Allumage, tu vois, pour te donner une idée, l'allumage MVTDD complet, livraison machin, 248,09 €. Voilà. Pour donner une autre idée, le 70 Bidalo WR, tu vois, il a 369 €. Je t'invite à voir ailleurs si tu trouves moins cher. Fais-toi plaisir. Moi, j'ai pas trouvé. Donc, il y a ce magasin, tu vois, en Espagne. Où je vais batailler maintenant pour des pièces moteurs, etc. Et il y a un autre shop, tu vois, où j'ai jusqu'à 70% de réduction sur tout le magasin. Parce que, tu sais, moi, personnellement, si tu veux, les outils que je vais te faire gagner, c'est moi qui les achète. Mais vu que j'achète souvent, le gars, il s'est dit, bah, attends, lui, il vient souvent, on va lui faire une petite réduction. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, pourquoi? J'ai eu cette idée, j'en ai parlé à Laurie, pour qu'on soit raccord. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas acheter des outils, tu vois, genre comme c'était pour moi, tu vois, et les faire gagner tu sais, à des abonnés. Tu vois. Parce que le prix des outils, quand tu vas sur les autres shops, tu sais, ça fait plaisir. Donc là, du coup, hein, je vais me mettre comme ça, parce que sinon tu vas rien voir. Comment je pourrais faire? Comme ça. Voilà. Là, je te montrerai cet après-midi, je ferai une autre vidéo avec l'autre caméra, pour te montrer comment on met les goujons quand t'as pas de frein filet, tu vois. Bon, je sais que je vais avoir des critiques, mais c'est pas grave. Bah, à l'ancienne, on faisait comme ça. Je pense qu'on a tous une copine, enfin pas tous, mais tu sais, dans nos entourages, on connaît tous une meuf, tu vois, qui se fait tu sais, la manucure. Je pense que tu as compris de quoi je voulais parler. Donc voilà. Donc si tu veux participer à cette belle petite vidéo pour gagner des outils, tu vois, c'est simple. Tu me mets ton pseudo de la chaîne. En dessous, tu me mets je participe, un petit commentaire et une question en rapport avec cette vidéo. Voilà. Toi, tu me dis ce que tu en penses, tout ça. T'sais. Voilà. Donc, ben, n'oublie pas, si tu veux accéder au groupe d'aide mécanique, alors certes, c'est 2,99 € par mois. Je suis d'accord. Mais nous, on y passe des heures et des heures jusqu'à ce que ta machine, elle marche. T'sais. On te fait essayer 2-3 trucs, comme ça en même temps, ben, ça t'apprend pas mal de choses sur ta machine. Tu vois. Tu vois, je prends l'exemple de Laetitia, par exemple. Moi, je suspectais une prise d'air parce qu'un gicleur de 120 sur une machine qui est juste débridée, c'est pas normal. La machine débridée, surtout une TZR, maximum 110, tu vois. Ouais, 105, grand maximum, 105. Donc, je suspectais une. T'sais.
Après, elle m'a sorti jus de l'huile à l'échappement. Donc ça, en général, il y a deux solutions. Soit c'est le giqueur principal qui est trop gros, soit c'est pas le bon indice de bougie. Pourquoi? Parce que là-dessus, il faut soit une BR 9, soit une BR 10, tu vois. Mais vu qu'elle avait une BR 9, comme je dis, pareil, c'est la bougie, tu vois. Parce que l'indice thermique sert à brûler tout le mélange qui arrive dans ton cylindre. Donc forcément, si la bougie, elle n'arrive pas à cramer le mélange, bon, tu sais, le reste sort par l'échappement. Mais elle me disait, ouais, quand je mets le starter, la machine marche mieux. Donc ça sous-entend que le gicleur est passé haut. Mais la machine est juste débridée, elle a un gicleur de 100. Donc je suspectais une prise d'air. Donc elle a tout vérifié hier, tu vois, je lui ai expliqué comment faire. Je t'expliquerai dans la prochaine vidéo aussi, tant qu'à faire. Il faut faire ça et le nettoyer en frein, si c'est mieux. Le nettoyer en frein, c'est de l'alcool. Et bah du coup, non, c'était le gars d'avant qui avait enlevé le manche en V. Mais forcément, il y a beaucoup plus d'air qui arrive. Donc, il faut rééquilibrer tes gicleurs après. Mais bon, ça sert à rien, tu vas pas beaucoup plus vite. À part consommer, c'est tout ce que t'es. C'est tout ce que ça amène. Donc, voilà. 11 minutes, on va arrêter là pour cette vidéo. Donc, je rappelle, si tu veux participer et gagner des outils, sur 7 vidéos, très important, mon ami. Sur 7 vidéos. Si tu réponds sur l'autre vidéo, c'est mort. Donc sur 7 vidéos, tu mets ton pseudo de la chaîne. En dessous, tu mets je participe. Un petit commentaire. Et une question en rapport avec cette vidéo. Les membres exclusifs, vous avez le droit de participer aussi. Tout le monde. Voilà. Ben, je vous laisse là-dessus. On va essayer de clôturer ce jeu avant la rentrée. Je crois que la rentrée pour vous, c'est lundi, si je dis pas de bêtises. Ben, j'ai plus de petits-enfants, t'as vu, je suis perdu. En plus, c'était ma femme qui gérait ça avant. Voilà, t'as compris. Bon. Ben, à bientôt. J'espère qu'il y a du monde qui va participer. Hein. Parce que, bon, sinon, ben, tant pis. Voilà. Ben, tchuss. Et à plus tard, j'ai envie de dire. Allez.